Yo tout le monde, c'est Michou, j'espère que vous allez bien, moi ça va, nickel. Aujourd'hui les potes, nouvelle vidéo unboxing. Cette fois-ci c'est un unboxing très très spécial puisque on a affaire à une très grosse box. Une très très grosse box, hein, on va pas se mentir, elle est assez énorme. Comme... Et surtout, la valeur des objets contenus dans cette box est aussi assez élevée, on va pas se mentir les gars. Voilà, c'est tout simplement mon pote Daddy Tech qui m'a envoyé cette box. Salut Michou, j'espère que tu vas bien mon pote. Écoute, je t'ai concocté une petite box pour Noël. J'espère qu'elle va te plaire, sous le thème bien sûr de Star Wars. Il y a un petit peu de Fortnite, voilà, j'aurais aimé faire un peu plus. En tout cas, c'est méga original tout ce que je t'ai envoyé dans cette box. Et le plus important reste pour moi, le smartphone que je t'envoie directement de la marque Xiaomi. On est sur le Mi 8 Pro, une édition collector, il n'y a que 1500 pièces. Il a le dos complètement transparent. Et comme je sais que tu es un super méga fan de Fortnite, alors sache que tu peux y jouer tranquillement, qu'il a le processeur le plus puissant de chez Qualcomm à l'heure actuelle, donc c'est-à-dire c'est le Snapdragon 845. Et en plus de ça, tu as la reconnaissance faciale en 3D et tu as aussi un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran. Et en plus, il n'est pas forcément super cher. Donc j'espère bien sûr que cette box va te plaire. Et comme je suis quelqu'un de super sympa, et ben moi aussi, j'ai aussi un autre Xiaomi Mi 8 en édition collector. On sait jamais si tes abonnés veulent se faire plaisir. Tu sais très bien que je vise les 100 000 abonnés. Donc je les invite à venir s'abonner sur ma chaîne et en même temps, peut-être, pourquoi pas, avoir la chance de gagner ce Mi 8 Pro. Alors je te dis, mon pote, profite bien de cette box. Fais-moi rêver, fais-moi kiffer, amuse-toi. Parce que j'en suis sûr et certain que tu vas l'adorer. J'en suis même quasiment sûr que c'est la plus belle box que tu as reçue sur ta chaîne. Alors merci mon pote pour ce petit coup de pouce et amuse-toi bien. Allez, à bientôt. Voilà, très bien, merci infiniment Daddy Tech pour cet unboxing de fou que tu nous as préparé là. Bon, il nous a spoilé un peu le plus gros objet de l'unboxing, c'est-à-dire le téléphone, hein, on va... Un téléphone, les gars, un téléphone, putain, dans un unboxing, un téléphone, c'est ouf. On va découvrir tout ce qu'il y a dans cette boîte. Comment vous dire que je suis méga pressé? Chaîne de Daddy dans la description. Et moi, j'ai envie de vous dire, on est parti pour ce pack opening. On n'oublie pas Bobby, bien évidemment, les potes. Coucou. Bien évidemment, comme d'habitude, unboxing à l'aveugle, les gars, je regarde pas ce que j'ai dans les mains. Ok, alors ça a l'air d'être un... Ça a l'air d'être un gros objet. Oh, il y a un trou dedans. What? Oh, ça c'est une figurine, un truc comme ça, ça. Ça a l'air d'être une figurine, un truc comme ça. C'est assez gros. C'est assez gros, c'est assez imposant, on va pas se mentir. Putain, n'empêche, les gars. Les gars, je pense qu'on part sur l'unboxing de l'année. Là, on part sur le plus gros unboxing que j'ai eu à faire en 2018. Alors, ouais, là, comme ça, je dirais c'est une figurine. Après, les gars, il nous a dit on peut s'attendre vraiment à de tout et du n'importe quoi. Du Fortnite, du Star Wars, surtout le smartphone aussi. Mon instinct, il me dit c'est une figurine, gros. Donc, je vais suivre mon instinct, c'est une figurine. Oh là 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 là, ça part sur de la figurine Star Wars, les gars. Putain, elle est big. Elle est vraiment énorme, les gars. Ça part sur de la figurine Star Wars, c'est bien ça? Oula, pourquoi ils me disent Bluetooth et tout, là? Attends, ça a l'air d'être une figurine, mais assez spéciale. Alors, attendez, je vais déballer tout ça parce que ça a l'air de fonctionner en Bluetooth. C'est peut-être une figurine lampe, genre. Un truc comme ça, donc... let's go la brancher à mon Bluetooth pour la tester, les gars. Ok, du coup, on a ça, les gars. Déjà, je trouve que le design de la figurine, on n'en parle pas assez. Tu vois, elle est vraiment, vraiment classe. On va pas se mentir. Et maintenant, elle a une fonction particulière. En gros, les gars, ici, ça s'allume en rouge, je crois. Ou peut-être tu peux changer la couleur, je sais pas. Et surtout... Ça fait la musique de Star Wars. Elle fait la musique de Star Wars. Du coup, les gars, je vais tout simplement la brancher histoire de découvrir ça. Ok, ouais, regardez, je l'ai branché. Alors, je sais pas si ça se voit. Bon, le câble pour brancher, malheureusement, il est un peu petit, les gars. Du coup, je dois rester loin. Salut. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Mais on a tout simplement des petites LED rouges qui se sont allumées. Et tu sens bien qu'il y a un haut-parleur dedans. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement le brancher en Bluetooth avec mon tel pour savoir ce que ça donne. Ok, je viens de la brancher à mon tel, mais en fait, je crois que c'est une enceinte. Je crois que c'est carrément une figurine enceinte Bluetooth, les gars. C'est trop classe. Si c'est ça, c'est trop classe. Attendez, je vais tester. Alors malheureusement, je vais pas mettre de musique, hein, parce que sinon, les copyrights, les droits d'auteur, l'article 13, tout ça, hein, je prends pas le risque, ok? Je vais mettre la dernière vidéo de ma chaîne secondaire, tout simplement, ma chaîne secondaire Michou Off. Tout est dans la description, comme d'habitude, les gars, attention. Vas-y, go tilted. Les gars, je vais à tilted, je vais vous montrer. Mais en plus, le son, il est bien. Je suis capable. La vie de ma mère que je fais un top 1. Le son, il est bien, il est fort, il est... Top 1. Mais mec, mais c'est beaucoup trop bien. Mais c'est trop classe. C'est une enceinte. C'est une enceinte. Genre c'est une enceinte Bluetooth à l'effigie du vaisseau de Star Wars. Je sais pas quel vaisseau exactement, mais c'est trop stylé, mec.
Oh là là, mais on commence avec du lourd, gros. Bon, j'ai pris un peu de temps à comprendre ça servait à quoi, ça s'utilisait, comment, etc. Mais on commence avec du lourd, putain, les gars, mais c'est un deuxième Noël, en fait. Je te jure, j'ai eu mon Noël, mes petits cadeaux de Noël avec ma famille et tout ça. Et là, bim, deuxième Noël, encore des cadeaux. C'est pas terminé, Noël, ça fait plaisir. Alors, attention, on continue, les gars, hop. Je pioche dans la boîte. Oh, là, ça, il y a moyen que ce soit le téléphone, ça. Ça, je suis pas sûr, mais vu l'emballage... Ça fait un peu, ouais, à peu près une taille de téléphone. C'est bien emballé, c'est très très bien emballé, c'est très propre. Il y a moyen qu'on parte sur le téléphone directement, les gars. Attention, je pense c'est le téléphone. Je pense, on va bien voir. Ok, ok, là, il n'y a plus de doute. Il n'y a plus de doute, c'est clairement un téléphone. C'est clairement un téléphone. Putain, rendez-vous compte, les gars, on fait un unboxing avec plein d'objets et il y a carrément un putain de téléphone. Bon, alors on s'est fait spoiler, on savait qu'il allait avoir un téléphone, mais c'est ouf, mec, c'est juste méga ouf, hein. Attention. Oh, c'est tellement jouissif. Le pire, c'est que c'est un téléphone édition limitée, genre il est méga rare. En gros, le dos du téléphone, il est transparent, il est trop... Oh, ah ouais. Ah ouais, les gars, ah ouais. Ah ouais, non, là c'est vraiment du sale. Là, les gars, on a vraiment un téléphone, il est magnifique. Oh, mec, regarde-moi ça, comment il est trop beau. Mais regarde le dos du téléphone. Waouh. On a tous les composants et tout. Oh, c'est trop classe. Il est beaucoup trop beau. Bon, alors moi, forcément, les gars, j'ai l'iPhone XS Max, hein. Donc, je pense garder mon iPhone XS Max. Voilà, ça fait pas trop longtemps que je l'ai. J'en suis satisfait. Je suis assez attaché parce qu'il y a toutes mes données et tout dessus. Mais je pense que ce téléphone-là, les gars... Alors déjà, c'est édition collector, donc c'est magnifique. C'est magnifique. Et surtout, ça peut faire un très beau cadeau de Noël à un de mes proches, hein. On va pas se mentir, les gars. Un téléphone comme ça, c'est pas donné. Il est juste magnifique. Oh là là. Regarde-moi ça, comment il est beau. Mais regarde-moi ça. Mais... Je pense que les déballages de téléphone, c'est quand même les trucs les plus jouissifs au monde. Mais mec, là, c'est encore mieux qu'un Noël, gros. Oh, regardez. On a le bouton pour allumer. Il est en rouge. Il est... Oh. Attention, les gars. On l'allume. Oh, il est trop beau. Oh là 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 là. Je suis déjà en train de le salir, mec. Ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine de déjà commencer à salir un si bel écran tout neuf. Et il est tellement fin, les gars. Bon, on va pas s'attarder là-dessus, hein. Je vais pas commencer à mettre toutes mes données, etc. dans le téléphone. Ça va être beaucoup trop long. Et surtout, c'est certainement pas moi qui va l'utiliser. Mais en tout cas, on part sur un téléphone de qualité supérieure. Là, les gars, déjà le dos... Le dos, il est juste magnifique. Le dos du téléphone est juste trop, trop beau. On a les petites encoches comme sur l'iPhone XS Max. Bon, là, on les voit pas parce qu'elles sont pas allumées, là. Mais normalement, il y a deux petites encoches. Et le téléphone est juste magnifique. Donc là, les gars, on continue l'unboxing parce qu'il y a encore du très, très lourd dans la box. Hein, elle est encore très, très grosse. Il y a encore pas mal de petites surprises. Mais là, je vais pas vous mentir que l'objet principal de l'unboxing, il est là. L'objet principal de l'unboxing, il est là, les potes. Wow, je tiens un gros truc là. Iii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 
Oh, elle est lourde, hein, pas se mentir, hein. Ça, c'est une belle boule, ça. D'ailleurs, faudrait faire attention de ne pas la perdre, parce que sinon, je vais perdre la boule. Bon, ouais, ouais, non, ouais, on est clairement pas là pour les blagues, hein. L'humour, c'est pas trop fait pour moi, hein. Ok, du coup, on a cette plaque-là, sur laquelle on met la boule, j'ai l'impression... Ah, c'est aimanté! C'est... What? What? Ah ouais, c'est aimant... Wow, comment c'est dur! Oh, what? Il doit avoir quelque chose à faire, mais je crois qu'en gros, elle est faite pour l'éviter, les gars. Il y a un espèce d'aimant dans la plaque. Oh, mais mec, mais gros, mais c'est quoi cet unboxing de malade? Tac, on va déballer. Ah, y a... non, c'est les câbles. C'est les câbles, c'est les câbles. Oh là là, je vais péter un câble. Ouais, 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 non, l'humour, c'est vraiment pas fait pour moi, c'est grave. Hein. En tout cas, Bobby, il a l'air d'adorer mes blagues. Hein. Il est mort, hein. Il est mort de rire. Mort de rire. Bon. Ok, on pose la plaque. Attention. Que va-t-il se passer? Oh mec, par contre, l'aimant dedans, il est vraiment fort. Hein. Je lâche. Ça fait trop peur. Ça fait beaucoup trop peur. Attends, je crois qu'il faut que je la lâche assez haut, genre. Mais mec, j'ai trop peur que ça tombe. Ça va casser, non? Je fais pire que mieux, mec. Je suis en train de tout casser. Ah, mais c'est... Ah, mais c'est une enceinte aussi. C'est une enceinte aussi, gros. Ça peut se connecter en Bluetooth pour faire enceinte en même temps. Mais what, mais gros, mais... Je vais avoir je sais pas combien d'enceintes Star Wars, là, c'est abus... C'est quoi ces enceintes beaucoup trop stylées? Ok, nickel. Je viens de brancher la Death Star à mon téléphone. Du coup, si je mets ma musique... ma vidéo encore. Ah ouais, c'est une enceinte. Yes, un kit. Yes, un kit, super. Yes, un kit. Ta gueule, ta gueule. Ok, donc c'est une enceinte. Mais mec, mais c'est abusé. Ok, donc il y a une petite manip à faire pour que ça aille vite. Mais c'est, ça a l'air compliqué. Genre vraiment, je vais pas y arriver. Moi, je suis débile à la base. Ok, les gars, on pose ça. Attention, ce qui va se passer est incroyable. Je suis magicien. Mais ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas! A few moments later. Il se passe rien du tout, elle est pas du tout en train de l'éviter, je comprends pas. 12 seconds later. 2000 years later. Je vais péter un câble, mais en fait, c'est un putain de jeu de rage! Le mec, non mais je regarde un tuto, le gars il fait. Alors, c'est très simple, vous prenez la boule, vous la posez, et voilà, ça l'évite. Ça marche pas! Voici un petit extrait vidéo de quand ça l'évite. Voilà, c'est stylé, on va pas se mentir. Bon, moi, j'y arrive pas, forcément, je suis un boulet, les gars. Enfin, dans mes prochaines vidéos, vous verrez. Vous inquiétez pas, j'aurai réussi. Normalement, dans mes prochaines vidéos, vous verrez dans mon décor, la boule sera en train de l'éviter. Mais c'est pas pour cette vidéo-là, parce que j'ai juste envie de découvrir tout ce qui reste dans la boîte. Tu vois, j'ai pas envie de galérer pendant 30 minutes à faire l'éviter une boule. Attention, prochain objet, les gars. Oh là 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 là, c'est encore un gros truc. Ouh, ça me fait penser à... Vu l'emballage et tout, on dirait un jeu de société. J'ai l'impression que c'est un petit jeu de société. Sinon, je vois pas, ça peut être quoi? Encore une enceinte Bluetooth, peut-être? Une troisième? Qui sait? Je sais pas, attends. Oh, ok, ça part encore sur du Star Wars, les gars. Ah non, c'est une figurine. Wow. Ah ouais, ok. Ok, là, ça part sur une figurine méga stylée, là. What the fuck? Ok, attention, on va découvrir, les gars. Ah, mais le pire, c'est que c'est... Mais le pire, c'est que c'est big. Ok, bon, j'ai l'impression, ouais, c'est en kit. C'est en kit, va falloir construire. Oh là 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 là, on me demande de faire léviter une boule. Maintenant, faut que je la construise la figurine. Eh, c'est trop compliqué, là. Ok, les potes, j'ai terminé, du coup, voilà la figurine. Alors, elle est très stylée, très grosse. Et en fait, les gars, c'est une figurine, on va dire, customisable. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnages. Donc, moi, j'ai eu lui, je sais plus son nom. C'est Kylo Ren, voilà, moi j'ai eu Kylo Ren, les gars. Et on peut avoir plusieurs personnages différents, histoire de mettre plusieurs personnages sur le plateau. Et il y a même un petit effet lumineux, regardez. Tac. Bon, là on voit pas très bien parce que forcément avec mes grosses lumières et tout, les petites lumières on les voit pas très bien. Mais attendez. Voilà. On va pas se mentir, c'est classe. On va pas se mentir, les gars. C'est quand même une figurine méga classe, surtout que je pourrais rajouter des autres figurines petit à petit. Faut juste que je les chope, quoi, ça va être... c'est ça qui va être le plus dur, tu sais. Mais du coup, on a une belle petite figurine, les gars.
D'ailleurs, mon petit Daddy Tech, tu nous avais pas dit qu'il y avait du Fortnite aussi? Je l'attends toujours, le Fortnite, là. Putain, on a encore plein de trucs, c'est abusé, les gars. Il y a encore masse boîte dedans. Ok, là, c'est un plus petit objet, plus petite boîte. Je sais pas, les gars, j'aimerais bien essayer de deviner comme ça, mais là, c'est emballé, c'est dans un carton, tu veux... C'est un carton, voilà, c'est un carton, j'ai deviné, tout simplement. Ouh, 3D lampes illusion, oh là là. Oh là 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 là, c'est du Fortnite! C'est du Fortnite, les gars! Attention! Voilà, j'en parlais. Lampe illusion de lampe 3D Fortnite. C'est quoi? Je crois que ça fait un truc, genre ça fait un effet. Ok, donc on a ça. Bon, pour l'instant, c'est moche. On va pas se mentir. Mais je crois que quand c'est allumé, ça fait un effet de lampe hologramme et tout. Ça fait méga classe quand c'est allumé, quoi. On va tester ça directement, les gars. Ok, les potes, donc voilà ce que donne l'hologramme Fortnite une fois branché. C'est juste magnifique. C'est juste incroyable. C'est juste trop beau. En plus, on peut même le faire changer de couleur. Genre, il y a juste à cliquer là, tac. Là, je le mets en... Enfin, là, je l'ai mis en mode changement de couleur automatique. Mais normalement, tu peux le mettre, voilà, en mode que bleu, en mode... que rouge, et après tu peux le mettre en changement de couleur, etc. Il est juste magnifique. Attention, objet suivant. C'est pas terre. Oh merde, je me suis totalement spoilé, j'ai totalement regardé. Ok, très bien, nickel. Du coup, ça part. Oh là 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 là, ok. Oula, ça a l'air d'être... Oh mec, c'est un robot télécommandé. C'est comme les voitures téléguidées, bah c'est pareil. Ok, donc les gars, ça part sur une ripance totale. En ce moment, j'ai vraiment pas de chance, gros. Je sens que 2019 s'annonce méga lourd, hein. Les gars, regardez-moi ça, ce bordel. Ça c'est l'envers du décor des unboxings. C'est un bordel monstre. Le problème, les gars, c'est que ma GoPro n'a plus de batterie. La GoPro n'a plus de batterie. Du coup, bah la GoPro c'est rip. Je peux plus filmer avec la GoPro parce qu'elle a plus de batterie. De toute façon, ça c'est pas très grave à la limite parce qu'on était sur le dernier objet de l'unboxing, ok? On était sur le dernier objet. C'est tout simplement cette petite boule robot. Alors il y a la tête qui va avec. Le problème, c'est que pour la faire fonctionner, les gars, faut mettre des piles dedans, dans le robot, dans la télécommande. Et en fait, le problème, les gars, c'est que j'ai tout simplement pas assez de piles. Du coup, je peux pas faire fonctionner cet objet. Du coup, voilà, les gars, bah c'est tout simplement pour vous souhaiter une bonne fin de vidéo, tout simplement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci infiniment d'avoir suivi cet unboxing de malade. C'était clairement le meilleur unboxing de l'année 2018. Voilà, 2018 se termine en beauté avec tous ces petits cadeaux, malgré... que j'ai eu beaucoup de bugs pour en faire fonctionner certains, hein, on va pas se mentir. Et voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Moi, je vous fais des gros bisous. Ciao les potes.